La fiche signalétique de Bernard Pellard, 1m72. Vous voyez qu'avant, du temps de Willy Moy, par exemple. Voilà, Pellard va s'élancer. Du temps de Willy Moy, les gymnastes, comme nous vous le signalions tout à l'heure, n'atteignaient pas 1m65. Il y a eu Henri Borrello qui est devenu un peu plus grand plus tard. Puis maintenant, il est courant de voir des gymnastes d'1m80. Alors, regardez ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le grand tour, soleil bientôt. Ici, on a vu une entrée en Moy, justement, dont on venait de parler. Demi-tour, grand tour soleil. Deuxième grand tour soleil. Il n'y a aucune faute, une tenue de jambe impeccable. Sur ce salto au-dessus et le double salto arrière carpé. Excellent mouvement de Bernard. Rien à dire. Rien à dire, dit Michel Boutard. Eh bien, nous, on va disséquer cela avec ce ralenti qui va nous permettre de regarder ce changement de main. Voici la prise et vous voyez que ça s'écarte. Voilà, c'est donc le grand tour soleil au ralenti. On a vu l'accélération sous la barre. Pour s'établir au-dessus, là, le salto au-dessus. Et voici, on enchaîne maintenant pour voir de plus loin sa sortie avec le double saut périlleux arrière. Carpé. Carpé, étant donné que les jambes sont en angle droit avec le corps. Voilà, fermeture complète.